Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes sur l'aéroport de Biarritz, LFBZ, et nous allons aller à Brest, LFRB. Alors pourquoi Biarritz? Parce que j'habite sur la côte basque, et Brest parce que je suis brestois d'origine. Voilà, tout simplement. C'est un vol encore improbable en direct, puisque pour aller sur Brest il faut passer en principe par Paris. Donc nous sommes sur le tarmac de Biarritz avec au loin. Alors, donc ici il y a déjà les ateliers Dassault qui sont directement sur l'aéroport et qui assurent des réparations notamment de moteurs d'avions d'armée aérienne étrangère. Vous avez la rune, les trois couronnes, et tout au bout là-bas le Reiskibel, et en dessous donc Fontarabie et Hendaye. Alors on va commencer par s'occuper de l'avion. Donc on va rentrer déjà dans le cockpit. Là on est sur l'overhead. Bon, tableau de bord. Donc vous voyez que tout est éteint. L'avion, il est complètement éteint. Donc on va mettre un petit peu de mouvement là-dedans. Alors, la batterie. Standby, power. OK. On va aller sur la tablette compte service GPU connect, ground power on. On vérifie qu'on a bien du jus, tout va bien. On va ouvrir la porte avant gauche. Et on va descendre l'échelle, découper. Donc, quand on va à l'extérieur, on voit la porte ouverte et on voit de côté le ground power qui produit de l'électricité pour l'avion. Pendant qu'on y est, on va également charger l'avion. Donc lui se présente, mais on va utiliser un autre système. Donc là, ce n'est pas la peine, on va mettre la passerelle à l'arrière, le Catherine, le chargement cargo, le Catherine devant. On va venir avec un bus aussi private. On va ouvrir toutes les portes. Je dis bien toutes les portes parce qu'apparemment il y en a une qui ne s'est pas ouverte. Voilà. Et elle s'ouvre. Parfait. Maintenant on va s'occuper des IRS. Donc on revient dans le cockpit. Alors c'est quand même amusant parce que je reviens quand même sur l'extérieur, où on voit les engins qui se placent. Voilà, donc là ils s'occupent de faire entrer la nourriture, les boissons, etc. dans l'avion. Donc on va revenir ici, on va aligner les IRS.
Alors, on le fait en mode short, sinon ça dure plus de 7 minutes. Voilà, c'est fait. Sur le FMC, on va aller rentrer aussi. Référence Airport. Alors, nous sommes à Biarritz. L, F, B, Z. Le gate, c'est le. On a vu tout à l'heure, c'était le C2. Non, pardon, vous l'avez pas vu, vous, mais moi je l'ai vu, que c'était bien C2. Ici, je copie et je recopie ici. Voilà, c'est fait. Donc la route, on verra ça tout à l'heure. Je reviens sur l'overhead. Et l'IRS, c'est fait. Cabine utile, c'est on. Emergency light. Armé. No smoking. On. Anti-collision light et another lights. Off. Windows hit. On. Électrique hydraulique pumps. Off. Off. Fuel pumps. Off. Trimmer. On. Isolation valve. Open. LR circulation fans auto. Non, c'est pas ça. C'était ça. Auto, auto. Engine blends. Bon, on va laisser sur auto. On, on. API bleed. Off. Cruise on landing altitude. Alors là, on va voler à 25 000 pieds. Donc pour la pressurisation de l'appareil, on met 25. On va atterrir à Brest, qui est au niveau de la mer, on va mettre 50. On va allumer l'APU ici. AFT fuel pump on. APU start. Quand il veut. On va attendre que le voyant ici soit bleu. Bon, ça là, on peut faire le ménage aussi hein, dans l'avion. Donc pour ça, c'est très simple. Voilà. Service crew. C'est bleu. API gen on. API bleed on. On vérifie. API gen 119, on est bon. On va mettre en stand-by. On va en profiter pour éclairer l'avion. Je sais pas s'il est à l'intérieur.
vérifie que TARA se trouve sur stand-by. Et on va faire le payload de l'avion. Donc full weight en balance payload. Payload, donc on a dit qu'il y avait 130 passagers. On va aller directement ici et on va taper 13 400. Donc là il les a répartis d'une façon égale entre les hommes, les femmes, les enfants et le cargo, c'est à dire le chargement. C'est un 8, 8 et un 9, 2 et 2, 4. Bon, il fait ce qu'il veut hein, parce qu'en principe c'est pas ça. Alors 13, 0 fuel weight, 56 511, 56 5, on est bon. Le fuel, alors le fuel, il nous faut 6700 kilos et le weight est 63 211. C'est bien ce qu'il me semble, parce qu'il y a quelque chose qui me surprend un petit peu. C'est que là, logiquement, il devrait avoir que 400 kg. Donc, je m'excuse. Bon, il a mis plus alors. Je sais pas où j'ai été chercher son chiffre. 13 463 211. Je devrais avoir 363. Bon. Back. Je vais le commander pour le charger. Et là, si on va à l'extérieur, le camion charge. Le monsieur, il a les pieds sur l'escabeau et il vérifie en même temps son chargement. Pendant cela, on va faire des tests de sécurité. Donc, on voit pas trop, mais là c'est on, c'est on. Trois verres. Toutes les lumières fonctionnent. C'est fini. Alors, ok, inspecteur, tout va bien. Donc on va retourner sur le. Donc là il est en train de charger ici. Ah ben il a déjà chargé apparemment. Eh oui, c'est déjà chargé. Bon, déjà, on va pouvoir enlever tout ça. Drive away. On va fermer les portes, sauf une.
retour sur le FMC. Pour la route, alors, LLBZ. C'est OK. Et on va à Brest. L. F. R. B. OK. Fly numéro, c'est Alpha Foxtrot Romeo 777. La courroute c'est L F B Z L F R B. Voilà. Activation. Execute. Perfinite. On pourrait presque le faire. Par contre, tu vas arrêter le ménage parce que. Et pourquoi c'est pas fermé lui? Cargo. Allez, c'est bon. On va faire départ. Départ arrivé. Départ. On part de la 27, donc vers la mer. Et on va passer par ENSA 4N. Execute. Arrivé. On va arriver sur la 25L. VLS Zulu 25L. Voilà. Et on va arriver par Rostov 8C, je crois. Que je vérifie. Rostov 8C, oui. Voilà. Et on va passer par Bodil. OK. Execute. Je regarde le Lex. S'il n'y a pas de discontinuité. Non, tout va bien. Donc, route data, départ à 14h08. 14h08, 07, bon, on a un petit peu de retard, ce qui est normal. 14h08 et on y sera à Brest à 16h38. Alors, maintenant, on va faire des perfinites. 6-7, je confirme le plan fuel. Réserve, on a dit qu'on mettait une tonne. Cost index, c'est un cost index de 50. On va monter à 250, c'est-à-dire 25 000 pieds. Cruise wind, la vitesse. La direction du vent et sa vitesse au top of climb 138,011. Température watt moins 28. Alors attitude transition 5000, hein, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas en Europe. Execute numéro 1 limite. Section automatique 15 pour 98,8. 15 98,8. Take off. Flaps. On va mettre 5 de volée. Le trim ne veut toujours pas fonctionner, il faut que je sais pas pourquoi. Bon. VR 132. VR rotate à 134. Et V2 à
145, donc 132, je rapporte mon petit papier, 134, surtout 145 plus 145 plus 20, ce qui fait 165. QRH off, QRH on. Legs. Alors, au niveau vitesse, 309, 309. Donc, à Sauvim, Bodil, on sera en dessous de 200 pieds. Et au-dessus de 3000 pieds. Ça me va bien. Impeccable. Alors, je vérifie le plan. Pardon. Le plan de vol. Alors, on décolle, on tourne à droite, on remonte. À Rospo, décélération. Et on tourne à Baudet pour s'aligner sur l'aéroport. Au niveau de Baudet, je pense qu'on est sur l'Andivisio. Pour ceux qui connaissent l'ex, c'est bon. Alors, batterie, mais il me le donne pas, donc je sais pas. Père finite, ça c'est fait. Trim, altimètre. QNH. QNH, le QNH ici est à 1028. Non, c'est plutôt, ce serait plutôt dans l'autre sens. 1023, 24, 25, 26, 27, 28. C'est celui de secours, 26, 27, 28. C'est fait, Flight Director. On. On. Autothrottle. Off. Pour l'instant. Yas Mach Selector. V2 plus 20. Donc on a dit 165. 65. Cruise altitude 25. Non, 25, pas 29. Il va vite. Ensuite, minimum sur radio. Landing gear, down, travers, speed break, down, et non armé. Thrust reverse, closet, engine start, cut off, parking break. On. Parking brake. Oui, on. Your dumper. On. Et passenger board. Alors, allons-y. Start fly. Lay. Et pour cela, on va ouvrir le plugin qui va bien. À savoir Passenger FX 2020 en français. Mesdames et messieurs, c'est le dernier appel d'embarquement pour votre vol. Veuillez vous rendre à la porte de départ. Merci et bon voyage. Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for your flight. Please proceed to the departure gate. Thank you and have a pleasant journey.
Fly attendants, doors on automatic, cross check and report. Je vais enlever le GPU puisqu'on n'en a plus besoin parce qu'on est sur la PU. Là, les passagers sont bien là. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, ils sont bien là. Flight attendants, arm doors for departure. Bon, on va fermer les portes. On va fermer la porte, pardon. On remonte l'échelle. Et on ferme la porte. Flight attendant, please prepare for gate departure. Ici, on va mettre sur map. Et on va mettre sur 10. Mesdames et messieurs, les portes de l'avion étant maintenant fermées, tous les équipements électroniques doivent être éteints jusqu'à 10 minutes de vol. Si vous êtes arrivé à bord avec un téléphone mobile, vérifiez-le maintenant et assurez-vous qu'il soit éteint et laissé jusqu'à ce que vous soyez dans le terminal. Mon nom est Monia, je serai le commissaire de bord de votre vol aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans quelques instants, nous vous montrerons une vidéo très importante sur la sécurité. Nous vous demandons de consacrer quelques minutes de votre attention à cet important message. Merci et bienvenue à nouveau à bord. Les agents de bord, fermez les portes de départ. Ladies and gentlemen, the aircraft doors have now been closed. So at this time, all electronic equipment needs to be turned off and let off until 10 minutes into off flight. If you came on board with a mobile phone, please check that now and make sure it's turned off and left off until you are in the terminal. My name is Monia. I'll be the purser on your flight today. And on behalf of the entire crew, we would like to welcome you aboard. In just a moment, we will be showing you a very important safety video. We ask for a few minutes of your undivided attention for this important message. Thank you, and again, welcome aboard. Flight attendant, armed off for departure. Western bells. On. Mesdames et messieurs, le capitaine a allumé la signalisation de la ceinture de sécurité. Veuillez vous asseoir et boucler votre ceinture de sécurité. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seat belt sign. Please take your seat and fasten your seat belts. Remove shocks. On commande le butteur pushback. Pré-plan. On va se mettre là. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Nous sommes prêts. Le poste du sol, le tracteur arrive. Pour l'instant là, on va commencer certaines choses et notamment le démarrage des moteurs.
trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. C'est fait. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors, all fuel pumps on. Centrale, c'est pas la peine, apparemment il n'y en a pas. Anti-collision light. Tous les membres de notre équipe sont ici pour que votre voyage soit le plus agréable. Position light, steady, auto-throttle. Nous sommes honorés que vous ayez choisi de voyager avec nous. Arme. Merci. Votre sécurité et votre confort sont nos priorités. Par conséquent, avant de décoller, veuillez respecter les consignes de sécurité. Elle impacte. Veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée en position assise. Comme cela peut être attaché et desserré de cette manière, système nous vous recommandons EP de garder électrique, votre ceinture de sécurité bien attachée en tout temps. Car des turbulences peuvent se produire de manière inattendue. Dans l'éventualité peu probable d'une perte soudaine de pression d'air, les masques à oxygène tomberont de panneaux au-dessus de votre siège. Restez assis et tirez le masque vers vous, appuyez-le contre votre nez et votre bouche et continuez à respirer normalement. Vous devez commencer par installer votre propre masque avant d'aider les autres qui sont proches de vous. Un gilet de sauvetage est rangé sous votre siège. À la demande de l'équipage, mettez-le au-dessus de votre tête. Attachez la sangle au cocher de devant et tirez fort pour l'ajuster à votre tête. Avant de quitter l'avion, baissez brusquement la manette rouge pour gonfler la veste. Si vous quittez l'avion avec une issue de secours, par la fenêtre en sortie d'aile, veuillez gonfler la veste à l'extérieur. Si nécessaire, vous pourrez faire le plein d'air par le tube. Chaque gilet de sauvetage a une lampe qui s'allume dans l'eau lorsque vous tirez sur cette languette. Toutes les issues de secours comprennent un indicateur de sortie lumineuse. Des bandes photoluminescentes au sol vous guideront vers cette sortie. S'il vous plaît, prenez le temps de localiser la sortie la plus proche. Il peut être situé derrière votre siège. Pour revoir ces instructions, veuillez vous reporter à la garde de sécurité dans la poche du siège devant vous. De vol ou tout autre vol est un vol non fumeur. Pour vous rapprocher des lieux que vous souhaitez découvrir, pour vous rapprocher de ceux que vous aimez, voler plus loin chaque jour dans le confort et la sécurité, c'est notre engagement envers vous. Profitez de votre voyage et s'il vous plaît, merci de votre attention. Ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. Every member of our team is here to ensure that your journey is a pleasant and comfortable as possible. We are honored that you have chosen to fly with us. Thank you. Your safety and comfort are our top priority. So before the aircraft takes off, please pay attention on the following safety instructions. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. If it's fastened while seated, it can be fastened and unfastened like this. Déconnectons le tracteur. Standby. At all times, as turbulence can occur unexpectedly. In the unlikely event of sudden loss of air pressure, oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated and pull the mask towards you, press it against your nose and mouth, and continue to breathe normally. You must fit your own mask before helping others near you. When instructed to do so by the crew, pull the life jacket over your head, attach the strap to the hood in the front and pull tight to adjust to your waist. Before leaving the aircraft, pull the red toggle sharply towards and inflate the jacket. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol.
you came top of the air through the tube. Every life jacket has a lamp which lights up in the water when you pull the tab. All emergency exits include a luminous exit indicator, photoluminescent strips on the floor will guide you to the exit. Ok, merci. On va vérifier les gouvernes. To review these instructions, please refer to the safety card in the seat pocket in front of you. This or any other flight is a non-smoking flight. To bring you closer to the places you want to discover, to bring you closer to the one you love, flying further each and every day in comfort and safety. Donc pendant ce temps-là, j'avais mis les probes HID on, tout en auto ici. J'avais débranché les PU. Oui, bien débranché. Je vérifie les générateurs électriques. Moteur 1, moteur 2, et je me remets en stand-by. Et je peux m'avancer. Alors, parking brake off, et on va mettre un petit peu, pas trop quand même. Peu trop de vitesse. Donc là je roule à droite, c'est pour éviter l'arbre qui se trouve sur la gauche et qui a été n'existe pas. Enfin. En attente clairance, qu'il n'y aura pas d'ailleurs parce qu'on n'utilise pas l'ATC, mais on va pouvoir préparer l'avion pour le décollage. Alors, engine start, continue, flaps, 5. Mesdames et messieurs, nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous invitons maintenant à vous asseoir, à vous détendre et à profiter RTO. Du décollage. Nous vous donnerons un peu plus d'informations sur notre plan de vol dès que nous serons dans les airs. Merci et encore bienvenue à bord. Position light. Ladies and gentlemen, we do thank you very much for your intention and now we invite you to sit back, relax and enjoy the takeoff. We'll give you a little more information about our service plan for our flight as soon as we're in the air. Thank you and again, welcome aboard. Une nave. Je mets le chrono de suite parce que je risque de l'oublier. Et on va se lancer sur la piste. Alors ça par contre, je les coupe. Voilà. Parking brake off. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt éteindre les lumières de la cabine pour le décollage et une fois encore pour l'atterrissage. Si vous souhaitez et pouvez lire ou si vous avez peur du noir, vous trouverez une lampe de lecture dans le panneau au-dessus de vous. Ladies and gentlemen, we will shortly be dimming the cabin lights for takeoff and once again for landing. If you wish to and are able to read,
or you're afraid of the dark, a reading light can be found in the panel below. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Pendant qu'on roule, on va s'occuper des lumières. Back. Take off landing. White medium. On est comment là? On va tout droit? Oui. Landing. Landing. J'ai bien mis sur strobe et j'ai mis anti-collision sur off. Alignement. Je devrais être au 270, ce qui est logique. Bon, là je crois qu'on est bien. Et qu'on peut y aller. Alors, N1 Toga. Autopilote. Rentrer.
Auto-break off. Train off. Alors, QNH standard. Auto, engine, auto. Dessous, Cap Breton, le port de Cap Breton, Rossegor. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant dépassé l'altitude de 10 000 pieds. Tous les appareils électroniques peuvent maintenant être désactivés en mode avion. Cet avion est équipé de Wi-Fi et veuillez consulter un agent de bord pour plus d'informations. Ladies and gentlemen, we have now passed the altitude of 10,000 feet. All electronic device may now be switched off or from airplane mode. This aircraft is equipped with Wi-Fi. Please see a flight attendant for more information. On libère les passagers. Le capitaine a éteint le panneau de ceinture de sécurité. Vous pouvez maintenant les enlever. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seat belt sign. You may now remove your seat belt. Que beaucoup. Souston. Le lac de Souston. Le lac de Léon. Le lac de Léon, Biel, Léon, bon, tout est ok.
Bon, tout est bien. Quatorze heures quarante. Alors, pour l'arrivée, on sera à 5h45 pour voler 30. Et si on met voler 40, la vitesse sera de 138. Je ne sais plus combien elle fait la piste. On va y voir ça de suite. Airport LFRB, la 25L a fait 9161 pieds. Ok, on est 3000 mètres à peu près. Non, c'est pas ça que je voulais faire. D'ouvrir la maps. Tiens, on va passer à quelques kilomètres de d'Arjusan. Vingt-cinq mille pieds. Soit 7620 mètres. On va au 0,46. Ensuite, on va passer au 358, c'est-à-dire plein nord. Mesdames et messieurs, nous vous servirons bientôt les boissons froides et une collation légère. Ladies and gentlemen, we will soon be serving you with cold drinks and a light snack. Pour moi, un whisky avec deux glaçons. Arcachon, là c'est le
lac de je sais jamais si c'est le lac d'Ourtin et Biscarros ou Biscarros Ourtin. Je crois que c'est Ourtin ici et Biscarros en bas. Et là c'est on va passer au-dessus de Bordeaux. Et pour le repas, j'espère que vous aimez les pâtes. Mesdames et messieurs, c'est le capitaine qui vous parle. Nous sommes actuellement à notre altitude de croisière et le temps qu'il fait est beau. Nous devrions avoir un bon vol et nous nous attendons à atterrir 15 minutes à l'avance. Si le temps le permet, nous devrions avoir une vue magnifique sur la ville en descendant. Jusque-là, asseyez-vous, détendez-vous et profitez du vol. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We are currently at our cruising altitude and the weather ahead looks good. We should have a good smooth flight. And we expect to land 15 minutes ahead of schedule. If the weather cooperates, we should get a great view of the city as we descend. Until then, sit back, relax, and enjoy the flight. Bordeaux. Avec ici Mérignac. La Garonne, la Dordogne. On va se mettre en situation extérieure. Mérignac avec ses pistes croisées. Le pont d'Aquitaine, le nouveau pont Le Vent, le pont de Pierre. Le paquebot, bord de lac, les pâtes avec une sauce tomate et son fromage. L'autre choix est du poulet avec ses légumes et du riz farci.
Nous suivons notre service de chariot de repas avec un chariot de bois. Et nous vous demandons si vous mangez par courtoisie pour ceux qui sont derrière vous, si vous pouviez remonter votre siège et laisser simplement ceux qui se trouvent derrière vous profiter du moment. Ladies and gentlemen, in the main cabin we will starting on the service very shortly. We have two selections of entrees. We have a penne pasta with the cheese and tomato sauce. The other selection is chicken with vegetables and rice and steak. We will be following our meal card service with a beverage card. And we do ask if you are eating as a courtesy to those behind you, if you could bring your seat back up, just let those behind you move to enjoy. Je me tais pendant que vous mangez vos pâtes à la sauce tomate. Alors pour faire le plan de vol, j'utilise une application qui s'appelle SimBrief. Et voilà le plan de vol. Donc là on est au-dessus de, on a dépassé Bordeaux. On va approcher de Siena, tourner à gauche, passer sur l'embouchure de la Loire. Et à partir de du golfe du Morbihan, on va commencer la descente. Le top descente se trouve ici. Après, on va monter et au-dessus d'un diligo, on va tourner à gauche. Notre système de divertissement en vol sur l'écran devant vous et sur les écrans à l'avant de la cabine. Vous pouvez également activer des fonctionnalités supplémentaires, telles que les sous-titres et changer la langue à l'aide de la technique. Ladies and gentlemen, you will be shortly starting our in-flight entertainment system on the screen in front of you and also on the screen at the front of the cabin. You can also turn on additional features such as subtitles and as well as changed languages using the remote. Alors là c'est prévu d'arriver à 15h37. On va aller voir ici. C'est bien. On est bien. En 322, en usilatique, on tourne à gauche. 011. Alors, on ne vole pas avec la météo réelle. Tout simplement, parce que bien qu'il fasse pas trop mal, nous risquions d'avoir des nuages et donc de ne pas voir grand chose. Tout simplement.
on va attendre le virage. Mesdames et messieurs, si vous vous trouvez en business class ou en première classe, vous trouverez des commandes de votre lampe de lecture, votre bouton d'appel et votre système de divertissement en vol à l'intérieur de l'accoudoir de votre siège. Dans les cabines économiques, ces commandes sont situées au-dessus de l'accoudoir de votre siège. Pour régler votre siège, poussez le bouton à côté du panneau. Les toilettes des passagers assis dans les cabines économiques sont situées à l'avant, au milieu et à l'arrière de ces cabines. Ladies and gentlemen, if you are in the first or business class section, you will find controls for your reading light, call button, and the in-flight entertainment system on the inside of your seat armrest. In the economy cabin, these controls are located on top of your seat armrest. To adjust your seat, push the run button beside the panel. Toilets for passengers seated in the economy cabins are located at the front, middle, and rear of this cabin. C'est Cognac. Rochefort. Oléron. Oui. Pour votre plus grand plaisir pendant votre vol d'aujourd'hui, nous avons placé un exemplaire gratuit de notre magazine de bord, qui est situé dans la poche du siège devant vous. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à l'apporter avec vous lorsque vous partez. Ladies and gentlemen, for your enjoyment during our flight today, we have placed a complimentary copy of our in-flight magazine in the seat pocket in front of you. If you wish, please feel free to take this with you when you leave. J'ai cru comprendre qu'il y avait des pickpockets. Alors, comme je confonds toujours les îles, il me semble que ça c'est Oléron. L'île de Ré, c'est bien ça. Alors, pendant ce temps-là, comme je suis quand même assez prévoyant, on va commencer à préparer l'arrivée. À savoir que ici, là, on a dit que la course de l'atterrissage était 253. Donc on va mettre ici 253. Et côté copilote, enfin, on y est.
Là, sur le piédestal, oh là, on voit pas grand chose. On va mettre l'indicatif qui est de 109,9. Alors, 109,9, on est à 114,90. 109,9, ah bah c'est bien. Ah oui, il y a déjà 90. 109,9, on met 109,9. Ici, on fait la même chose. 109,9. 109,9. La Rochelle. Donc 253, 253, 109,9, 109,9. Et après on verra pour l'autobreak, etc., etc. Déjà, le QNH, on pourrait peut-être le préparer aussi, puisqu'à l'arrivée, il est 2034. Ça va faire ça tout à l'heure. Pour l'instant, on ne peut pas le faire.
Mesdames et messieurs, c'est le capitaine qui parle. Nous avons un bon vent arrière et notre heure d'arrivée devrait être d'environ 20 minutes à l'avance. Nous vous tiendrons informés pendant toute la durée de notre vol. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We have a good tailwind and our arrival time should be around 20 minutes ahead of schedule. We will keep you informed throughout the duration of our flight. Thank you. On va en mettre deux autres. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un vol de non-fumeurs. Cela signifie qu'il est interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes protégées par des détecteurs de fumée. Pour rappel, le panneau non-fumeur restera allumé tout au long du voyage. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that this is a non-smoking flight, which means that smoking is not allowed anywhere in the aircraft, including the toilets, which are protected by the smoke detectors above. As a reminder, the non-smoking sign will remain illuminated throughout the trip. Thank you. Moutier, l'embouchure de la Loire, le lac de Grandlieu, de notre Atlantique. On va mettre encore une petite. Mesdames et messieurs, nous allons venir dans les allées avec nos duty-free. Vous trouverez le détail des articles disponibles dans le magazine dans la pochette située en face de vous. Pour le moment, nous n'acceptons que les cartes de crédit pour nos ventes de duty-free. Nous demandons pour sécurité, vous utilisiez les toilettes dans votre cabine avec billets et que pour des raisons encore de sécurité, le rassemblement à proximité du cockpit ou des toilettes sont interdits. Nous vous demandons de boucler vos ceintures de sécurité sur les vêtements les plus extérieurs, que ce soit une couverture ou une veste. C'est pour votre sécurité et que pour que nous n'ayons pas à vous réveiller si le signe de la ceinture de sécurité s'affiche pour voir si vous êtes attaché. Notre programmation commencera dans une dizaine de minutes. Vous trouverez une liste complète de toutes les émissions audio et vidéo du magazine dans la poche en face de vous. Nous vous invitons à vous asseoir, à vous détendre et profiter du vol. Si nous pouvons faire quelque chose, quoi que ce soit, pour vous mettre à l'aise, pour vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ladies and gentlemen, we will be coming to the aisle with our duty-free sales. You'll find details of items available in the magazine in the seat pocket in front of you.
At this time, we are only taking credit cards for our duty-free sale. We do ask that for the safety and security of the flight, that you use the lavatories in your ticketed cabin and for security purposes congregating near the cockpit, all lavatories is prohibited. We ask that you buckle your seat belt on the outermost garment, whether that be a blanket or jacket. This is for your safety, and also we don't have to awaken you if the seat belt sign comes to on to see if you are buckled up. Our programming will begin in about 10 minutes. You'll find the full listing of all audio and video programming in the magazine in the broadcasting online. We do invite you to sit back, relax, and enjoy the flight. If there's anything we can do to make you more comfortable or to help you in any way, please call us. C'est bien laborieux tout ça. La rambarde Saint-Nazaire avec le pont qui malheureusement n'est pas représenté tel qu'il est en réalité. Chantier, mais il n'y a pas de bateau de représenter non plus. Embouchure de la Vilaine, la presqu'île de Quiberon, on approche du golfe. L'immobilier et donc là il va falloir que je prépare l'altitude cible. Alors donc ah oui, elle est fermée là, oui. Donc là il faut que je mette le 3000.
commence à décélérer. Là, on passe carrément sur le golfe du Morbihan. Descente. Donc là il entame sa descente. Bon, je vais mettre le minimum sur radio, sur barreau, pardon. Barreau descend. Ici l'auto-break, je vais mettre sur 2. Voie 3. Anyway. Oui, les manettes de gaz bougent toutes seules d'une façon automatique. Elles sont gérées par l'avion et par l'autopilote. Donc on est en dessous de 20 000 pieds. On va attacher les passagers. Mesdames et messieurs, ces doubles sonnettes indiquent que nous sommes bien engagés dans notre descente.
de sorte que tout le matériel électronique doit être éteint à ce moment-là et rangé en toute sécurité, ainsi que tout autre bagage à main que vous auriez pu sortir. Assurez-vous également que votre dossier est complètement relevé, que votre plateau est rangé et verrouillé et que votre ceinture de sécurité soit bouclée. Pour ceux d'entre vous qui sont en business class ou dans les cabines de première classe, assurez-vous d'appuyer sur le bouton vert de réinitialisation de l'avion. Et pour ceux d'entre vous qui sont en première classe, vos bandoulières doivent être attachées. Ladies and gentlemen, those double chimes indicate that we are well into our descent. So all electronic equipment needs to be turned off and this time in 50 so with away along with any other carry-on luggage that you may have taken out. Also please check to make sure that your seat back is in the full upright position and your tray table is solid and locked in place and your seat belt is fastened. For those of you in our business and first class cabin, if you would make sure that you push the green airplane reset mode button, and for those of you in first class, your shoulder straps must be fastened. Donc là, on aperçoit la baie de Londonderry, la presqu'île de Crozon, la rade de Brest. Mesdames et messieurs, c'est le capitaine qui vous parle. Nous avons commencé notre descente et nous devrions atterrir dans 15 minutes environ. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui et nous espérons vous revoir bientôt. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We have started our descent and we should be landing in about 15 minutes. I would like to take this opportunity to thank you for flying with us today and we hope to see you again in the near future. Un beau virage. Bon.
15h26. Flight attendant, prepare for landing. Pour 15h37. Prepare for landing. Landing off on. Engine continue. Strobe on laisse, anti-collision off. Take off, white medium. Arrivé droit sur l'indivision et là tout à gauche, voie d'alignement sur la piste de Guy Baba. Et pendant ce temps-là, on continue à descendre tranquillement à la vitesse souhaitée. On est là, il y a moins d'arrêt. Hein. Speed break armé. Pour l'instant, il ne me l'a pas demandé. Je vais ralentir l'avion. Virage. On va passer juste à côté de la base de l'indivision. Non, je pense qu'il me sollicitait. Là-bas, la base. Bon, cabin crew, please take your seats for landing. Standard, ok. Donc QNH 1034.
34, ok. Oui, si je m'en doutais, speed break demandé. Thousand to go. Premier pied. On va se mettre sur l'extérieur pour voir un petit peu s'ils ont mis des avions dehors. Oh, il y en a un. Ils sont là. Donc en principe, ce sont les rafales marines qui vont sur le porte-avions Charles de Gaulle. Donc ce soir, c'est un petit peu plus grand. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, c'est bon. Donc là, je remets speed break. Speed. Ah, j'ai un souci là. Voilà, pardon. Et je l'arme. Je mets un cran de volet. 185. 190. Oui, volet 1. Warlock. Approche. Commande 2. Guy Pavard. Donc là, je peux... train d'atterrissage down. Volet 2. Cinquante, volet 15. Volet 15. 145. Volet 30. Que je mettais à 138. Stabilized, Mr. Birch, as you said. Taxi away. Hundred.
reverse. Bien. Les agents de bord, désarmement des portes. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For your safety and comfort, please remain seated until the aircraft has parked and captain has turned off the fastened seatbelt sign. Please check around you for any belongings. Engine, auto. Caution when opening the strobes. Sur steady. Anti-collision. Thank you for flying with us. On. And have a pleasant day. Flight attendant, disarm door. Est-ce qu'on va avoir un autogate? Oui. Donc là, hop. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire un petit replay. Parce que... j'ai entendu les passagers. Mesdames et messieurs, c'est une demande personnelle. Si quelqu'un aurait trouvé une montre avec une borne bleue, veuillez en informer l'un des agents de bord. Encore une fois, c'est une montre avec une borne bleue. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, a personal request. If anyone has found a watch with a blue band, please notify one of the flight attendants. Again, this is a watch with a blue band. Thank you. Flight attendants, disarm doors. Donc là, on était sur la division. Alors, il faut pas être surpris parce que en fait les avions qui sont seuls, ce sont des avions américains. Ce ne sont pas des rafales. Comme c'est un jeu américain. On va accélérer un peu. Hop, voilà. Ah pardon. On va quand même regarder. Où suis-je ? Voilà. On va regarder la descente du train d'atterrissage.
Là, tous les volets sont sortis. J'ai même réussi à prendre le chemin de sortie de suite. Mais pas belle la vie. Un seul mot, parfait. Bien. On va revenir à nos moutons. Alors il faut pas être surpris parce qu'il y a un véhicule de pompier qui passe son temps à se balader sur l'aéroport. Alors, donc là on est bien, on va aller en face. Si je ne m'abuse. Oui. D'abord, je vais vérifier juste hein, quelque chose. Oui, c'est bien ça. On va aller tout droit, là. On va aller tout droit. Donc, pour ce faire... Allez. On va avancer un peu. Voilà, déjà, un peu tout désarmé. Avant qu'il me le demande. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir passer là en principe. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Parce que là il y a un avion qui me gêne et puis un autre là-bas. C'est pas grave, si on y va. Je crois que je peux passer là. Ouais, peut-être qu'il libère le chemin en face. Donc là, je vais suivre les instructions. Alors, là c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce qu'il faut que je sois vraiment tout droit. Voilà. 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 Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Top. Top. Tout phare. Donc il va peut-être pas me prendre. On va faire un coup de reverse pour voir. Alors, on va s'avancer un petit peu. Top. Top, top, top. Voilà. Là c'est bien. Donc on va mettre le parking brake. On va mettre
Le ground service, GP Connect, 6, point power. Et là, on va pouvoir couper tout. Ah, magnifique. Ensuite, on n'a pas fini. Anti-collision off, off, off. Western Bells off. Mesdames et messieurs, le capitaine a éteint le panneau de ceinture de sécurité. Vous pouvez maintenant les enlever. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seat belt sign. You may now remove your seat belts. Doors open. Et là, on va s'ouvrir directement sur le gate. Et voilà. Et pas belle la vie. Et on peut dire aux gens de sortir. Hop. Ils sont plus là. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir tout couper. Tout éteindre. Off. 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 Donc, les props. Windows 8. Electric pump. Cabine utile off. Là, on remonte toutes les fuel pumps. Voilà, donc là on a tout éteint. Et comme on a tout éteint, ben on va tout éteindre. Les power, voilà. Et on est comme si on était au départ, c'est-à-dire que tout l'avion est éteint. Oui, bah d'accord, ok, on est pas mal là. Hein. Pourtant, j'étais bien moi. Bon, ça fait partie des bugs, hein, parce que en principe, ça n'existe pas. Mais comme il y a des objets qui sont ajoutés, il y a comme ça des défauts. Alors il y a un monsieur qui se promène aussi, voilà, et je crois qu'il est là. Donc il y a un bus qui n'arrête pas de tourner. Les passagers, c'est pour ça que j'aime bien cet aéroport, parce que... Bah, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va monter, on va prendre de la hauteur. Il veut pas. Il y a des passagers qui rentrent dans un petit avion Air France. Lui, il fait le tour de l'avion avec son cône. Il y a le parking avec le drapeau, les drapeaux. Alors, je n'arriverai pas à les voir. Le Guanadu, le drapeau français et le drapeau européen. Il y a d'autres drapeaux à droite là, je sais pas ce que ça peut représenter. Les parkings. Et le fameux camion de pompiers qui n'arrête pas de se balader. Voilà, j'espère que ce vol vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt et au revoir.